15 janvier 2017, si ton fils se retourne à Montréal demain, la cuisine est faite, les bagages sont presque prêts. Fait que tu vas nous faire des images de ta cuisine, Pou? La batterie est pleine, let's go! So, on est de retour des rénovations, fait que je fais une petite vidéo d'archive pour toi et Father. Donc, quand on est arrivé, c'était beaucoup plus le bordel que je pensais. Là, c'est sûr, on a fait un peu de ménage, puis l'entrepreneur vient d'aller dîner. Les draps qu'on avait mis sur le drum étaient complètement poussiéreux. Mais bon, c'est ça. Fait que ici, on a la cuisine. Il lui reste une couple d'affaires à faire, il va finir demain. Puis, ben, ça ressemble à ça. Si tu veux des close-up, tu vas conduire et puis venir les faire toi-même. Ouais, puis ici, il nous a fait aussi un meuble pour le micro-ondes. Puis il est supposé se brancher là. Sauf qu'il y a des risques que ça peut sauter, on sait pas. Fait que dans cette éventualité-là, il va nous activer une prise ici pour que je puisse le brancher. Sinon, la cuisinière va venir juste là. Le fridge, il va venir ici. Puis c'est pas mal ça. Watch power. Donc, 27 janvier 2017, c'est vendredi soir. Alors, dans les updates, Marianne a commencé très récemment son cours de philosophie et psychologie. Moi, j'ai eu mon premier cours de moto. En fait, ouais, c'est l'introduction pas mal. Puis, ça devrait bien aller. C'est costaud, mais comme on dit, ça se fait par du monde. Puis, ce soir, vendredi soir, ben, les trois enfants ne sont pas à la maison. Marianne est partie, Thierry est à Montréal, puis Étienne est à Sainte-Agathe. We alone! Alors, samedi matin, le 11 février, un petit update. Alors, hier, vendredi, je suis allé passer mon examen théorique de moto. Alors, je n'ai eu seulement deux erreurs sur une possibilité de six, donc j'ai passé haut la main. Marianne a commencé ses vendredis études. Elle est dans son livre de psychologie actuellement. Et puis, de ce qu'on voit, de ce qu'on a vu, elle semble avoir travaillé là-dedans toute la journée. Puis, sur une note humoristique, Thierry a échappé son cellulaire dans la toilette. Alors, probablement qu'il va devoir s'en acheter un autre. Et puis, la mama is going to Cuba. Quelle date donc? 29 mars. Le 29 mars, ça va être une super semaine de célibataire. Viva la libertad! C'est vraiment pas gros place, le divan. 18 février, on est à Montréal. Le chat se porte bien. C'est-tu un éternuement de journée? L'opération... Évier tout gommé. C'était là avant que je l'aie. Ouais, mais je me souviens pas d'avoir vu avant. Bon. Ouais, c'est beau ta lumière dans ta cuisine. Ben, je vais te mettre un petit contre-jour là. Ça a été fait un bon film pour YouTube. Ça, c'est... Bah. C'est ça. Donc, merci Pou pour la démo. Yep. Alors, on avait remarqué les boîtes de pop qui étaient en spécial. Puis, Pou en sa réserve de patate molle. Patate en poudre. Puis là, ben, c'est l'opération débouchage de l'évier de la chambre de bain. Ah. Essayez un canet. Quelqu'un?
Fait que tu le prends comme par les deux pattes, là. Okay. Lorsque tu le lèves, il va se placer les pattes. Fait que tu fais juste vraiment l'approcher de toi comme ça. Tu mets une main en dessous, puis tu mets une main comme ça. Comme ça. Oh, ben non, oui. Ok, peut-être qu'il me trouve juste moins bon. Alright, that's it. Alors, samedi le 11 mars, c'est l'opération table de cuisine. Donc, Sonia a acheté un set de chaîne à Québec. On doit aller le chercher ce matin. Je démonte la table des Dubuc. Le reste est en bas. Thierry devrait prendre. Et puis, c'est notre semaine de dépenses. Je suis en train de regarder pour une moto également. Alors, j'ai pas de moto à présenter, mais quand même. Donc, on va aller chercher la table. Alors, suite du 11 mars, l'historique de ça. À l'origine, j'étais supposé faire le set de cuisine moi-même, sauf que je suis en train de faire les tables de salon. Et puis, j'ai perdu de l'intérêt. En ce sens que c'est long à faire. Puis, mon dada maintenant est vraiment le tour à bois. Donc, j'ai dit à Sonia que je ne souhaitais plus faire le set de cuisine. Donc, Sonia s'est garochée sur les packs et a acheté quelque chose. Donc, c'est là qu'on est. Les tables sont en préparation. Puis, là, ici, la grosse table, là, avec rangement DVD et tout. Donc, on s'en va à Québec, il fait moins 20 avec le froid, on va faire moins 30. C'est parfait, il n'y aura pas de slotch. Donc, toujours le 11 mars, il est 1h10, l'opération Québec chaises et tables et tout ça, c'est fait. Tout s'est très 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 bien déroulé. Même Sonia avait acheté un fauteuil appelé civil, donc c'est fait. Reste à installer. Et voilà. Donc, nous voilà installés pour un setup de 4 personnes. Puis, c'est ça qui est l'aventure. 5, 4, 3, 2, 1, mise à feu! Donc, dimanche le 19 mars, notre fille au travail ici très fort, en psychologie s'il vous plaît, a eu son premier résultat. C'était quoi, un travail, un devoir? Oui. Ouais, la note est de? 100%. 100%, bravo cocotte. Et voilà, on va y arriver. Student at work. 25 mars, samedi. Alors, grosse journée, on est allé au salon funéraire pour la grand-mère de Sarah Maud. Puis la destination, c'était Québec. Donc, deux cases de moto, paire de bottes, le jacket, les pantalons, les gants, plus un petit chapeau pour le cadeau de fête, ce genre de détails. Bref, aujourd'hui, on a flobé 1000 piastres, solide. Fait que, des heures de plaisir. Là, il y a mon pouce. OK. Wow. Vas-y. Fait que ça, c'est le casque. On peut avoir ça. 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 Puis tout ça. Puis ça. Pretty high drama, isn't it? First. 17 avril 2017, après des mois et des mois de construction, les deux tables de salon sur mesure sont faites. Il nous reste la grande table centrale. Il faut aller acheter du bois, remettre le trailer en ordre parce que le trailer est chez mon père et le monsieur du souffleur y a accroché. Donc il faut acheter une nouvelle main et tout ça. Et après la table centrale qui est déjà assez avancée, il va rester le meuble à télévision, et sauf exception, je dis bien exception, ce seront mes derniers gros projets de meubles maison.
Alors, 5 mai 2017, le DEP de Étienne est terminé. Il est revenu à la maison pour de bon. Il reste juste son stage. Donc, IBAC. Il s'est réinstallé la console. Et voilà pour ça. Donc, update 14 mai, fête des mères. Alors, dans l'ordre et le désordre, je reviens de mon premier cours de moto. On a fait ça de 11h à 3h. Et puis, bon, c'est bien. Sauf que j'avais une moto qui... le gaz est très difficile d'avoir une stabilité. Donc, c'était comme une auto manuelle qui rushait. Et on va avoir de l'intensif samedi et dimanche prochain. C'est des cours de 6 heures. Donc, ça va être assez intense. Étienne a sa première semaine de stage de fait et il a déjà son 60 heures qui était requis pour le stage. Et donc, selon les infos, il va continuer, c'est-à-dire qu'il va continuer de travailler. En fait, il sera à l'emploi si ça se confirme et tout ça. Les probabilités qu'il s'en aille avec Sarah Maud à Lévis-Pintendre sont assez élevées. Marianne est dans un grand état de fatigue. Les études sont un peu sur le stand-by actuellement. Thierry a passé une entrevue vendredi passé, et puis on entend encore des nouvelles. Well, that's it! Alors, 17 mai 2017 était une grosse journée. Sarah Maud faisait son examen final, un gros examen extrêmement important. On est en attente évidemment du résultat. L'autre grande nouvelle, c'est la suite de mes aventures de tâches avec Claudine Paquette et le cours d'Histoire Québec-Canada. Donc, depuis plusieurs semaines, je murmure à Dieu de vouloir que je veux cette tâche-là, secondaire 3 et 4. Et aujourd'hui, j'ai reçu un email, un courriel de Liette, et elle me signale certaines de ses exigences et tout ça. Et l'effet du email sur moi a été de me remettre en question et de voir si vraiment je voulais ce cours-là absolument, dans les conditions que Liette veut qu'il soit donné, et la réponse était non. Je viens donc d'écrire à Liette un message, comme quoi pour l'an prochain, en fait, aidé de Sonia, là, j'ai donc écrit que que je n'avais pas le profil pour enseigner ce cours-là comme elle le souhaitait, puis finalement je propose une tâche qui est différente, donc du secondaire 1, du secondaire 2, du secondaire 5, et puis, je me sens bien, ça va. Et donc, mes épaules sont un peu plus légères. Bon, évidemment, Liette devrait répondre à ça, parce qu'elle ne s'attendait peut-être pas à ça. Puis, je crois que Dieu dirige exactement comme quand j'étais à la Samar, et que Dieu a dirigé pour que je quitte vers Sainte-Marie. Je crois que c'est le même genre de direction. Donc, c'est presque la conclusion de ce chapitre-là, et je suis bien content. 19 mai, alors je pense que je ne l'ai pas mentionné à la caméra, hier on a eu le résultat de Sarah Maud, elle a réussi son examen d'infirmière haut la main, 82-83%, bravo Sarah Maud. Le gros hit de ma journée, c'est que ce matin, j'arrive d'une formation sur le nouveau programme d'histoire secondaire 4, comme mentionné, j'ai bataillé durant les derniers mois pour avoir cette tâche-là, et là après la formation, j'en veux, mais tellement pas, le cours est tellement différent. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de politique, ça ne m'intéresse pas. On me le donnerait que j'en voudrais pas. L'idée générale des profs de ce matin, c'est que les élèves vont vomir. Et je me propose, j'attends Sonia, parce qu'il n'est pas tout à fait midi. J'attends Sonia, je me propose de réécrire à Liette qui est malade, de lui dire que je souhaiterais conserver ma classe musée. Même la classe musée ne correspond plus à le cours que moi j'ai connu. Donc, merci Seigneur, je suis tellement délivré. Ouh! Situation générale du 22 mai 2017. Donc, production des tables de salon. Alors aujourd'hui, on est un peu comme ça depuis peut-être une semaine ou deux. Une semaine. Alors, il me reste le plateau de cette table à faire. Étienne, son stage est terminé, donc en voie de travailler pour son truc. Et puis, je tourne la caméra.
Donc, le 20 et 21 ont été des journées de circuit fermé en moto. Donc, on a fait 12 heures de moto en deux jours. Ça a été énorme, dur, difficile. Je suis revenu hier avec le mal de tête, épuisé. Puis aussi, j'ai un doute sur ma réussite de l'examen de la SAC. Particulièrement la moto, là, la KLR rouge, là, j'étouffe ça à planche. Cependant, j'ai essayé une Harley, une petite Harley, et ça allait bien. Donc, ça, c'est à voir. Donc, aujourd'hui, 22, repos. Lundi, on travaille sur le plateau, puis on va se changer les idées. Donc, c'est la situation. Bon, 24 mai, c'est un peu plate parce que c'est juste des updates de divan. J'ai pas d'acteur. Hier, j'avais mon cours de moto théorique. On se prépare pour les sorties en ville et tout ça. Et on se prépare pour l'examen en circuit fermé à la SAC. Et je suis dans les tremblements. J'ai peur d'avoir un échec. Bon, ça, c'est pour moi. Étienne est revenu à la maison hier. Donc, son stage est vraiment terminé. Puis, c'est du non-officiel, mais là, il travaille pour la compagnie où il a fait son stage. Et puis, il se fait recommander de prendre son kilomètre à voiture. Puis, il a même parlé hier que c'est peut-être pas impossible que la compagnie prête un pick-up. Les projets d'aménagement avec Sarah Maud à Lévis sont, semble-t-il, assez sérieux. Ça se discute beaucoup dans la maison de Sarah Maud. Le monsieur est inquiet. Pour Thierry vient d'avoir un emploi. Là, j'ai pas les domaines sur lesquels il va travailler, ni le nom de la compagnie, mais il commence au début juin. Et puis, il est actuellement acteur dans une web-série, puis il est découragé parce que le monsieur responsable, il a des bonnes idées, mais quand c'est le temps de mettre ça en image et tout ça, c'est vraiment pas bon. La tâche, j'en ai parlé. Donc, oh, puis Marianne. Alors, hier, Sonia m'a annoncé que Marianne retourne à 40 heures temps plein, lundi au vendredi, chez McDo. Mais elle prend le mois de juillet off, probablement, ça n'a pas été confirmé, pour faire et terminer ses cours par correspondance. Donc, la sœur de grand-papa Dubuc, Réjeanne, s'est fait découvrir un cancer et elle a fait aussi une crise cardiaque. Elle est à l'hôpital de Granby. Un grand-papa Dubuc a dit qu'elle s'en allait là, sur ses 85 ans. Bon, ça enregistre. Oui. Alors, on est le 25 mai au soir. Je viens de faire 2 heures de moto. Alors, je suis arrivé là-bas à 7h moins 10 et on commence à tomber quelques gouttes. C'était notre première sortie en formation en ville. Ça a été bien. Bénédiction numéro 1, j'ai pu être toute la soirée avec la moto que je compte utiliser pour l'examen. J'ai fait des essais de clutch, de rétrogradation, j'ai fait mes expériences. Dans mes différents tocs, c'est peut-être pas utile de le voir, là, mais sur feuille... J'ai dessiné le circuit, j'ai mémorisé toutes les sept manœuvres que je dois faire à l'examen qui a lieu le 6 juin prochain. Fait que mon appréciation de la soirée à soir, c'est 9 sur 10. J'ai aimé tout ce qu'on a fait. On était allé à Victoriaville à la pluie. Je suis presque pas mouillé, contrairement à mes autres collègues qui eux autres étaient. Alors, ils auraient sauté dans la piscine, ça aurait pas été différent. Puis j'ai bien aimé ça. Elle m'a changé, j'ai pas emmené mon agenda, elle m'a changé une de mes rails, donc le 1er juin en soirée, c'est un vendredi, de 5 à 9, donc pourquoi tu me fais signe non? 1er juin, c'est un jeudi. Ouais, en tout cas, c'est un vendredi, peut-être que je vais tromper de date, c'est peut-être le 2, elle l'a écrit sur un carton. Fait que, il me reste 2 sorties de 4 heures à faire, puis après ça, c'est l'examen circuit fermé. Puis après ça, voyage en Europe. Puis après ça, on s'achète une moto. Keep it real. 2 juin dans le très petit matin. Alors, dans le fond, c'est un vendredi, on va travailler. Mais c'est parce que Étienne,
Dans le fond, il laisse être un peu traîner ses choses et dans le fond, on a un rapport de temps ici. Et puis donc, il fait le détail de son transport, de ce que je vois. Et puis, voilà, c'est comme ça que ça semble fonctionner. On n'a pas encore été capable de filmer le gros pick-up, mais on va encore s'essayer aujourd'hui. 6 juin, je viens de sortir du bureau des véhicules. Mon examen de moto est réussi. Et c'est fantastique, donc très très soulagé, merci Seigneur. Donc maintenant, 6 juin en soirée, on a célébré la réussite de l'examen avec une poutine ce soir. Et juste pour les archives, je montre à la caméra une vidéo que j'ai dû regarder 10-15 fois pour l'étudier et tout. Et puis donc, c'est exactement l'examen que j'avais à faire. Sinon que le slalom est plus important que celui qui se déroule à l'écran ici. Mais sinon, c'est ça. Donc, voilà, on passe à autre chose maintenant. On est bien content. Faites à noter, on est à la recherche d'une moto maintenant. Et voilà. 10 juin, Étienne et Sarah Maud préparent leur emménagement à Lévis, donc laveuse sécheuse. Ça, on va porter ça à Sainte-Agathe. Et voilà! Donc, on est le lundi 12 juin. La voiture de mon père est dans la cour. C'est parce que hier, le 11, alors mon père a fait 2 chutes dans la nuit. Il est tombé à 2h du matin, mais il s'est relevé. Et à 4h et quelques du matin, il est tombé. Mais n'a pas pu se relever. Il a réussi à rejoindre le téléphone de la salle de bain. Il nous a appelé à la maison et c'est comme ça que j'ai été capable, en fait, que je suis allé le relever. Il est donc à l'hôpital pour évaluation médicale et avec la travailleuse sociale. Et tout indique qu'il va quitter le 1335 Grenier pour aller dans une résidence où il pourra être suivi particulièrement pour ses problèmes d'équilibre et de mobilité. Alors, 14 juin au matin, un petit update sur la moto. Alors, on était en marché d'acheter cette moto à Lister, ABS 2011, les valises et tout. Cependant, l'attitude des propriétaires est vraiment détestable. C'est-à-dire que cette moto n'est pas plaquée, je peux pas faire d'essai routier, et puis ils veulent me faire signer quelques papiers, les déchargeant de tout, me rendant responsable de tout et tout. Alors, hier, après une petite communication, j'ai dit à Sonia, c'est terminé, on passe à autre chose. Donc, la nouvelle moto en vue ce soir, on va aller à Arthabasca, on va visiter, on va aller voir une moto qui ressemble à celle-là. Et puis, on demande au Seigneur de nous guider. Voilà. Alors, 14 juin, jour de ma fête, on vient d'acheter la bécane qui est là. Donc, on vient de faire l'essai routier avec le vendeur. C'est parfait. On devrait prendre possession de ça le plus tôt possible. 15 juin 2017. Donc, j'ai pris congé à la maison. C'était prévu avant même que mon père tombe. Donc, ici... C'est la production du vidéo des finissants. Donc, j'ai terminé la version balle et la version YouTube. Donc, ça va. Concernant mon père, eh bien, ce matin, j'ai fait des téléphones. Donc, la travailleuse sociale... Là, j'ai pas bien mis d'image. Donc, la travailleuse sociale me dit que ça pourrait vraiment arriver que mon père ait son congé demain. Et si c'est le cas, bon, actuellement, c'est la Providence en résidence convalescente ou en convalescence qui serait choisie. Ce soir, je vais chercher la moto avec Éric Beaudoin. On en profite parce qu'il fait un beau soleil et qu'il annonce de la pluie pour demain et tout ça. Concernant la voisine, pas de développement majeur, sinon qu'on rencontre l'avocate mardi prochain. Vendredi, on s'en va en Europe. Et là, actuellement, je me prépare à faire le ménage du patio pour la fête des Dubuc version allégée, parce que Pat sera pas là, puis Jay ne sera pas là non plus.
il annonce, en fait, Jay, elle a un oncle qui est décédé au lac Saint-Jean. Donc, c'est notre journée. Donc, si c'est ça, demain, Georges, il déménage. Donc, c'est à suivre. Donc, 15 juin, 7 heures du soir, je viens d'aller chercher ma moto avec Eric. Donc, voilà la bête. Une très, très satisfait. C'est vraiment bien. Donc, cet après-midi, j'ai fait de l'espace, nettoyé un peu le garage. Puis, voilà. On n'a pas eu de nouvelles pour mon père. Donc, peut-être demain. Demain, vendredi, je serai absolument disponible pour aller le chercher, peut-être, s'il le faut. Alors, et voilà. Donc, 16 juin, il est 11 h et quelques. Alors, mon père Georges va sortir aujourd'hui de l'hôpital après-midi, je vais le chercher. Et merci Seigneur, le travailleur social avec l'évaluation et tout ça. On va aller à la résidence Le Couvent à Victoriaville, où est-ce qu'il y a un piton panique, où est-ce que mon père, à toute heure, va pouvoir avoir de l'assistance. Dans la voiture actuellement, je suis allé chercher ici au CLSC La Samar. Un bed helper, donc une structure métallique que mon père a utilisée à l'hôpital, donc il est capable de se sortir du lit avec ça. Dans la valise, il y a un déambulateur, donc une marchette avec un petit siège. Puis j'arrive de la maison, j'ai fait la valise avec le linge, tout ce que je pensais, l'hygiène, le savon, ce que je pensais. Et puis ce qui manque, probablement qu'on va refaire d'autres voyages aujourd'hui, c'est à suivre. Point de vue météo, donc c'est vraiment la... C'est pas le déluge, mais il mouille vraiment, vraiment beaucoup. Merci Seigneur, la moto est dans le garage. Plaqué maintenant, et puis voilà, c'est là qu'on est rendu. 17 juin, alors Marianne est arrivée au travail, je crois c'est hier. Et puis ce mot-là est affiché dans la salle des employés, donc c'est un mot pour la féliciter, la remercier d'avoir travaillé trop longtemps toute seule. Et c'est l'équipe de direction. Alors, des personnes ont signé. Et Marianne était bien contente de cette reconnaissance. Voilà. 17 juin, fin de soirée, il est 8h15. Alors, Étienne, il vient de me livrer une caisse de bière, 36 canettes froides. Il y a le char de Marc-Gabriel s'est arrêté, il a ouvert la porte, il a mis ça à terre, puis ils sont quasiment repartis tout de suite. Alors, voilà pour ça. Mon père, aujourd'hui, s'est fait connecter le Wi-Fi pour... en fait, c'est ça, il manquait juste le code. Puis donc, là, il est branché avec sa tablette. On a pu s'écrire aujourd'hui, puis arrêter d'aller le visiter. Puis, il a visité une chambre avec Nancy Nolette, qui est la propriétaire. Puis, autre détail... sa sœur Réjeanne est tombée récemment. Quand j'ai appris Georgette, j'ai appris ça. Et puis donc, Réjeanne pourrait vraiment être dans les derniers jours, semaines, mois peut-être, parce que là, elle n'est plus capable de marcher et elle n'est quasiment plus capable de parler aussi. Georgette, de son côté, dit que ça va bien pour elle, mais qu'elle n'a plus bien de jambes non plus. Donc, demain, c'est dimanche. Et on retourne plus ou moins à la normale. 23 juin, on est à l'aéroport, il est 5h moins quart. Alors, tout se déroule très bien. On regarde l'avion. Donc, nous sommes le 4 juillet, au petit matin, il est 6h40. Hier, on est revenu. Un voyage sans pépin. On est arrêté chez Pierre, on a jasé un peu de la situation de Pâques qui est rendue à la Providence. Donc, Marianne nous a fait une belle, belle maison. C'est tout propre, c'est tout beau. C'est Étienne, il s'est laissé aller à fond. Donc, il a eu des amis de bière, il y a des amis qui sont venus. La housse. La housse a été brisée, Sonia est en fusil, et puis Étienne va devoir en acheter une nouvelle. En passant, Étienne est déménagé, il habite à Lévis maintenant, et puis il s'est donné à fond. Hein. Donc ça, c'est ce qu'il nous a laissé, donc c'est ça.
Fait que sinon, aujourd'hui, on le voit, là, il tombe de l'eau. Donc, ça va être une journée récupération, mise à jour pour repartir tout ça. Et puis, c'est là qu'on est rendu. Le voyage est terminé. 4 juillet, au matin. Donc, une déception, je viens de monter en haut. Alors, fils est déménagé à Lévis, mais semble-t-il, c'est comme un déménagement partiel. Hein? Il y a plein de choses qui sont encore ici. Alors, même son système de son. Donc, c'est à suivre probablement. Thierry, lui, de son bord, ça, c'est à déterminer. C'est pas probablement à lui, mais on n'est pas à veille de reprendre possession de cette chambre, on dirait. Bon, c'est ça qu'il a à faire. 6 juillet, après souper. Donc, l'avocate nous envoie le prototype de la mise en demeure contre Hélène Atkinson. Donc, on réclame 1 500 $. C'est assez musclé comme mise en demeure, mais je pense qu'elles le sont toutes. Et puis, c'est complet, total, tout fonctionne. Puis, on vient du restaurant avec Sonia, puis moi, j'ai fait valoir mon point. Que c'est 1 500 $ qu'on négocie pas, et si le prix doit être révisé, c'est le juge qui devra le décider, ça sera pas, ça viendra pas de nous autres. Donc, on est rendu là. Donc, 10 juillet, alors si les infos sont bonnes, si Sonia a bien vu, le huissier serait allé ce matin porter la lettre à Hélène Atkinson. En fait, Sonia a remarqué qu'il y a une voiture qui s'est stationnée devant son entrée avant. Et un monsieur qui est sorti. Et puis, voilà. Alors, elle a 10 jours pour nous payer 1 500 $. Et le 10 jours nous amène au 20 juillet. Et donc, si on ne s'est pas trompé, le compte à rebours est commencé. Bon, garde le Seigneur. Donc, nous sommes le 20 juillet. Et si on ne s'est pas trompé sur la date du huissier, eh bien, il ne s'est rien passé. Le lilas n'est pas taillé. On n'a pas de nouvelles de l'avocate, quoi qu'on ait de bonne heure. Puis, en fait, la situation a motivé Sonia à faire un peu de ménage dans les plates-bandes. Donc, c'est à suivre. 22 juillet, on est samedi, donc ça fait 2 jours que je confirme que la voisine a bien reçu la mise en demeure le 10. Donc, le 20 était l'expiration. On a écrit à l'avocate et le processus est en cours. Actuellement, on a dit qu'on suivrait les consignes du cabinet d'avocats, mais bon. Fait que ça explique aussi pourquoi que finalement Sonia avait bien vu le huissier, et puis la voisine avait adopté un genre de comportement un peu effacé pour un temps. Donc, c'est à suivre. Voilà pour ça. On peut prendre l'état des vignes. Donc, c'est en train de pousser. Tranquillement, on va y arriver. J'ai mis des choses. Le 26. Continue. Non, non, ça va. Alors, c'est le grand déménagement. On va aller chercher 5 épiceries. L'ordinateur, ça s'est bien fait? Oui. Un morceau à la fois. Comment tu dis? Un morceau à la fois. Ben oui, hein. Donc, 26 juillet. Déménagement de pas au 544 La Providence. Pierre et G ont passé la nuit ici. Donc, voilà. Donc, 26 juillet, il est 3 heures d'après-midi. Alors, les roues terminées. On s'installe. Et puis, à quoi ça signe?
Pim, t'as trouvé ce que tu voulais? Oui. Bah. Tout. Tout. Le 26 juillet, il est 6h05. Alors, le 3:39 est vide. Puis, il fait son élagage de médicaments et de trucs pharmacie. Encore un petit peu de trucs à ménage à faire, mais ça, ça relève de peur. L'ordi est installé. Ça va bien. Le technicien s'occupe à mettre les choses à l'heure et tout. Donc, la chambre comme ça. Tenture installée par moi aujourd'hui. Donc, on est comme ça actuellement. On accrochera les cadres un peu plus tard. Et voilà. 27 juillet, le lendemain du déménagement, Pierre et Gilles sont partis. En fait, hier soir, on a terminé un petit peu après le souper. Donc, c'est le nouvel état du, comme on l'appelle maintenant, de 1335. Donc, Pierre et Gilles ont fait le tour de la maison aussi pour choisir ce qu'ils voulaient conserver. Et puis, ils ont pris l'Atlas rouge de notre jeunesse, le dictionnaire de Réjeanne, le moulin à couture, bon, ils vont venir le chercher. Puis, voilà. Donc, c'est le 1335 maintenant, comme ça. Donc, l'étape suivante, c'est que les trois enfants, Thierry et Marianne et Étienne, Sarah Maud, vont venir faire une tournée. Qu'est-ce qui pourrait les intéresser? Puis, ils vont partir avec. En même temps, après cette étape, on va devoir nous-mêmes liquider. On va attendre le hoquet de paille. Ici, il n'y a rien qui est touché. Donc, le bounty va rester non terminé. Puis, je n'amène aucun outil. À moins que je change d'idée un moment donné. Ça, c'est les coffres du bateau. Mais mes outils sont meilleurs que ceux de paille. Donc, voilà. C'est là qu'on est rendu. Alors, on est le 11 août, update général. Alors, je suis en train de filmer les choses concernant les arbres parce que maintenant, on enclenche le processus comme il faut. En fait, ce matin, j'ai travaillé sur le site de Justice Québec pour me décourager. Pour finalement, ça n'a pas rapport... Pour finalement prendre rendez-vous avec le palais de justice de Victoriaville, avec le greffier, le 14 septembre prochain, donc ça fonctionne. La voisine, à ce jour, n'a donné aucun signe de vie concernant les arbres, le lilas ou quoi que ce soit. Concernant mon père maintenant, mon père est en train d'ajuster ses somnifères. Aujourd'hui, le 11, il a 76 ans. Et puis, donc, il est... depuis le 11, en fait, c'est le 11 juin qu'il a tombé. Et puis donc, voilà, il est à la Providence. Des fois, ça va bien, des fois, ça va moins bien. Okay, alors, le 17 août, en après-midi, vas-y, Pou! Je viens de décrocher un contrat comme monteur chez Musique Plus. Bravo, Pou! Yeah! Ce qui s'est passé hier, c'est que j'étais en train de sortir de la douche quand j'ai vu que j'avais un message sur mon cell. C'était un chat qui venait de m'appeler. Ce qu'elle m'avait expliqué, c'est qu'eux autres, ils avaient trouvé un monteur pour Musique Plus, justement.
mais qu'il y avait jusqu'à 9h le soir pour confirmer s'il y avait la job. Si à 9h, eux autres n'avaient pas entendu parler de lui, ils me donnaient la job. Puis finalement, ben, vers 6h, la texte puis a dit, ben, finalement, il y a la job, il vient de confirmer. Un petit peu déçu, mais à matin, elle me rappelle, puis elle dit que finalement, le monteur Pion, il venait juste de le tester, puis il était très bien satisfait. Fait que la productrice chez Musique Plus a rappelé des XM. Aïcha lui avait dit que moi j'étais en stand-by. Fait que la productrice a dit ben tu me l'amèneras aussi. Fait que finalement, ils ont décidé qu'ils donnaient deux postes de monteur. Fait que j'ai une deuxième poste. Puis c'est pas particulièrement un gros contrat, ça dure 2 semaines. Mais je veux dire, avant, j'avais juste des petites jobines comme monteur. Fait que là, que je sois officiellement monteur, que ça va être mon nom comme monteur dans le générique. This is some serious shit. Qu'est-ce que tu fais là? Tiens, on est 20 août. On est chez Étienne et Sarah Maude. Eric, ici-bas, il y a du jus. T'es tenu. Bébé, wouh! T'as pas son poil partout, hein? Non, elle n'a pas besoin. Hein? Il joue plus avec ses balles. Ouais, il y a une belle cuisine. Donc, 31 août, il est 6h du soir. On revient de chez l'avocate et puis il n'y a pas matière à aller aux créances parce que notre sapin n'a pas subi de dommages au sens légal. Il y a une branche de coupée, mais il n'est pas tombé, il n'est pas malade. On a une prescription de 3 ans. Donc, c'est ça qui est la patente. Alors, on n'ira pas, c'est la fin de ça, à moins qu'il y ait des développements par rapport à l'arme, c'est-à-dire s'il devient malade. Voilà. Alors, continuité du update voisine. Dans la réalité, elle n'a absolument pas touché au lila. L'avocate nous a expliqué que finalement, un dommage, c'est lorsque l'arbre, la santé de l'arbre est affectée. Ce qui veut nous faire dire finalement que si je coupais des branches, l'arbre, le lilas ne sera jamais endommagé parce qu'il faudrait que je sois vraiment drastique. On n'ira pas dans cette direction-là. Et puis, j'en ai pas parlé à Sonia, mais si c'est difficile de refaire notre garage parce que là, le lilas va commencer à frotter, peut-être qu'une des solutions serait simplement de faire réparer le mur. Faire réparer le mur, c'est certainement faisable, puis ça pourrait être une possibilité. C'est à voir. La moto, j'aimerais ça rouler avec Michel demain. J'ai quelques 1600 km de roulé, et puis j'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça. J'en rêve. Alors, nous sommes le 15 septembre dans les updates et varia. Hier, Sonia a eu 50 ans et pour sa fête, alors on a du super beau temps. Alors, update numéro 1, Étienne a pris possession de la voiture de grand-papa et la sienne est à vendre. Invisible à la caméra, la voisine a taillé son lilas. J'ai quelques 1700 km de fait. À la moto, après-midi, c'est une pédagogique. Peut-être que vers 3 heures, je vais laver ma moto. Puis, dans les autres updates, on a reparti le chauffe-eau. On est à 80 degrés maintenant parce qu'encore demain, il annonce super beau avec 28, 29, ressenti 32. Alors, 24 septembre, il fait actuellement 86 dehors, c'est l'automne le plus chaud. Ils ont parlé d'un record de 105 ans, quelque chose du genre. Alors, voilà, on se baigne, l'eau est à 81, 82? 82. 82. On est le 27 septembre, la température est en train de baisser, on était dans la vague de chaleur, donc on est rendu à 77, il est 6 heures le soir. On s'est baigné encore aujourd'hui, et même que c'était notre dernière baignade, parce que là, il annonce des températures de 14, de 12, de 10, de 2. Donc, on a mis la toile noire. En fait, on a mis les câbles en se baignant, c'était vraiment le fun.
Et puis là, il nous annonce un orage du verre. Et puis, on le sent déjà, l'air est déjà frais. Ça commence à tomber. Là, à la caméra, on voit rien. Mais c'est noir, ça va tonner, ça va tomber. Alors, dans ma classe, on a aussi battu des records, 29 degrés. Yann-Luc, en science, a estimé 29 avec humidex à probablement 36-37. Donc, c'est là qu'on est rendu. Donc, là, la saison de piscine est vraiment finie. Et puis, vivement les fraîcheurs de l'automne. En passant, ça fait deux nuits que je dors dans la chambre des gars avec l'air climatisé. J'ai bien aimé l'expérience. Puis, c'est là. Alors, Sonia s'en va à New York samedi. Oh. Puis, avec Marianne. Avec Marianne. Puis, hein? Avec la chouchouette. All right, we out! Alors, on est le 30 septembre. Sonia est partie ce matin, 5h du matin, avec Marianne pour New York. Et moi, je me prépare à faire ce qui va probablement être la dernière randonnée avec Michel de l'année, parce que ce soir, Michel, à minuit, ne peut plus utiliser sa moto. Alors, j'ai roulé actuellement 2025 km. Et puis, on se prépare à aller faire une dernière promenade, 150 km environ. Il fait 13 degrés et je suis bien triste. Alors, on est le 9 octobre. Le 11, ça va faire 4 mois que Georges a quitté sa maison. Et hier, avec Pierre et Jay et Sonia, on a fait les boîtes, on prépare pour râper. Puis, bon. Alors, les choses ont été assez... presque complètement empaqueté. Il reste encore quelques éléments. On a choisi de laisser ce qui était bien pour un futur propriétaire, de le laisser. Donc, c'est pas nécessairement la vidéo de l'année, mais le walk-in est vide maintenant. Au moment où on se parle, Georges va bien, et en passant, Claude Charette est décédé cette semaine, en fait, probablement il y a 3 jours, d'un cancer, comme ses 2 sœurs, semble-t-il. Thierry se propose de prendre le système de son, en attendant que Étienne le prenne. Donc... la chaise d'Ernest. Donc, c'est ça. On a passé, dans le fond, Pierre était arrivé vers les 11 heures. On a empaqueté, on est allé voir Pain en fin de journée. Puis, moi, je vais revenir faire un petit peu d'emballage là-dessus. Puis, on se propose ici d'en prendre le moins possible. Se poser de revenir avec Pat pour arrêter le tambour, faire le nettoyage de ça. Puis Éric Beaudoin et prend la maquette. On devrait venir cette semaine chercher ça. Comme dit mon père, c'est l'état actuel de la situation. Lampe à apporter pour la classe musée. Et puis voilà, on se laisse là-dessus. C'était cool. Et quand je disais, on reste dans le team. Oui! Je vais mettre mon sabre là. Il est beau celui-là. Mm-hmm. Oui. C'est quoi ça, Pou? Un autre Rick and Morty cover. Puis je l'avais pas. J'ai pensé à David, mais je savais pas lequel t'avais. Ah! C'était avec toi, ça? Oui. Ah, cool! Il y en a à Montréal, sûrement. Parce que c'est une chaîne. Donc, l'échange est fini. Oui. En fait, qu'on rit! Bon, fait qu'un autre 24 décembre avec les 3 enfants. Tu filmes ton bord raide? Non. Hey, le fils, on a des jours de
Donc, 31 décembre 2017, dernière vidéo de l'année. Les updates, je suis assez malade. Fièvre, tremblement, chaleur et tout ça. Particulièrement aussi, on est dans une semaine de froid intense. Il fait toujours moins 20, moins 25. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, c'est ça. Donc, on se souhaite la santé et on se revoit l'an prochain.